か空飛ぶ岩か宇宙の神秘怪獣がパー一度来れば天地も裂ける宇宙の神秘怪獣がパーガッパーガッパーガッパーガッパー Amis GAPA, militants et militantes, en cette élection générale, GAPA surveille de très près, au nom de la vérité et de la raison, les sophismes, les paralogismes, les faussetés et la propagande qui circulent. GAPA tient à souligner ici cinq faits saillants en la matière, et espère qu'ils serviront de contre-exemple pour les semaines qui viennent. Le jour même du déclenchement des élections coïncidait avec la centième manifestation nocturne. Alors que des milliers de manifestants déambulaient dans le centre-ville de Montréal, le journaliste Félix Séguin de TVA se faisait lancer des bouteilles de bière. Écoutez, on se fait lancer des bouteilles de bière. Malgré le fait qu'il précise deux fois sur son compte Twitter que les bouteilles que lui et son équipe avaient reçues n'avaient pas été lancées par des manifestants, certaines personnes semblent absolument tenir à associer cet incident à la manifestation. Parmi ces personnes figurent celles qui ont donné ce titre à cette vidéo. Les commentaires de leur page Facebook donnent un aperçu des conséquences d'une telle désinformation. Danny Thompson, vous reconnaissez que l'objectivité et la crédibilité ne sont pas toujours vos objectifs. GAPA vous appelle donc à en avertir systématiquement les gens que vous désinformez, ainsi qu'à cesser de filtrer les commentaires en bas de cette vidéo. Bien entendu, Jean Charest n'a pas manqué de reprendre cette fausse information, comme en témoigne ce tweet de la journaliste Julie Dufresne. GAPA exige que le Premier ministre corrige les faits en déclarant avoir relayé une fausse information. Une nouvelle initiative libérale lancée sur Twitter, Les Faits, prétend rétablir les faits. Évidemment, personne n'est dupe de ce stratagème libéral. Les faits qui intéressent le compte Les Faits sont bel et bien ceux qui avantagent les libéraux. Pour les autres faits, c'est le silence total. Dans une capsule vidéo sur les redevances minières au Québec, dont la possibilité de la commenter a été désactivée à l'instar de la majorité des autres vidéos libérales, Marie-Pierre Isabelle dresse un très positif bilan libéral en la matière. Le problème majeur de cette vidéo est l'importante suppression de données pertinentes dans ce dossier. S'il est vrai que les redevances minières sont passées de 12 à 16% sous le règne libéral, comment se fait-il que pour l'année 2010, seulement 10 compagnies minières sur 19 aient payé des redevances? Il est également important de souligner que les compagnies minières bénéficient de nombreuses subventions publiques, directes ou indirectes, par exemple en infrastructures et en énergie. Pour le plan Nord, les investissements d'Hydro-Québec, qui fournit d'ailleurs de l'électricité à un taux préférentiel aux compagnies minières, se chiffre à 47 milliards de dollars. Pensons également à la prolongation de la route 167 qui a coûté 287 millions de dollars et à la ligne électrique, bâtie tous deux spécialement pour la compagnie Eastern Way Diamond, avec nos finances publiques. Au tout début de la campagne, une étude des compagnies minières Suncor KPMG a été publiée et elle conclut que le régime de redevance des libéraux est parfait, ne tenant pas compte des subventions directes et indirectes, financées en grande partie par l'industrie minière. L'étude ne divulgue pas quels ont été les profits et les redevances payées par les six plus grandes mines en opération au Québec en 2011. Rappelons que l'ancien PDG de Suncor de 2002 à 2005 n'est nul autre que le ministre des Finances Raymond Bachan. Mais bien entendu, les faits libéraux n'ont que faire de ces faits-là. Le jeudi 2 août, nous apprenions que le réseau TVA, propriété de l'Empire médiatique québécois, refusait pour la campagne électorale 2012 de participer au consortium des médias présentant le traditionnel débat des chefs. Le réseau privé le plus regardé préfère en effet organiser son propre débat dans une formule en face à face qui opposera chacun leur tour les chefs de la coalition Avenir Québec, du Parti libéral et du Parti québécois. Toutefois, Québec solidaire et Option nationale ont été exclus du débat. Pour ce qui est de Radio-Canada, Québec solidaire est invité, mais Option nationale est refusée. Aucune justification n'a été donnée, sinon qu'ils ont carte blanche pour inviter les partis qu'ils veulent bien inviter. TVA se justifie en disant qu'il s'agit d'offrir une occasion de débat à trois partis qui peuvent aspirer à gouverner le Québec. Comment TVA peut-elle conclure une telle chose?
à moins que les journalistes de la chaîne possèdent des dons de voyance leur permettant de décrire rigoureusement l'avenir. Gappa voit mal comment un média d'information dont le travail est supposément de rapporter des faits avérés peut tirer en toute objectivité des conclusions sur l'issue du scrutin. Peut-être en évoquant les esprits de Chantal Lacroix, auquel TVA donne davantage de temps d'antenne, qu'à Françoise David et Jean-Martin au sang réuni. Cette formule de débat supprime pour les téléspectateurs de TVA l'occasion de connaître davantage le programme et les représentants de partis présents dans toutes les circonscriptions et qui avaient pourtant des députés siégeant à l'Assemblée nationale lors de la dissolution du Parlement. De plus, Gappa tient à signaler que lors du débat d'échelle de 1998, diffusé notamment par TVA et animé par l'un de ses journalistes, Jacques Moisan, le chef de l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont, devenu maintenant commentateur politique pour Québécois, avait participé à ce débat. Pourtant, Dumont était le seul député élu de la DQ, et son parti ne récoltait pas plus de 7% des votes lors de l'élection précédente. TVA croyait-il alors que la DQ pouvait aspirer à gouverner le Québec ? La chaîne aurait-elle changé sa conception de la diversité des points de vue ? La chaîne TVA ne peut nier qu'en étouffant la diversité des points de vue en fonction des chances présumées des partis de gagner l'élection, elle contribue à confirmer sa prédiction concernant l'issue de l'élection de 2012. Ce faisant, plutôt que d'informer adéquatement ses téléspectateurs, la chaîne de l'Empire leur cache une partie de la réalité. De la part d'un empire médiatique qui, avant de se retirer du consortium des médias diffusant le débat des chefs, s'était retiré du conseil de presse en 2010, ce manque de rigueur journalistique signalé par Gappa ne constitue pas un grand scoop. Gappa croit néanmoins que TVA, de même que Radio-Canada, devrait avoir honte de ses choix antidémocratiques, honte également aux chefs de la CAQ, du PLQ et du PQ d'avoir accepté de participer à cette mise en scène parodique de débat démocratique orchestré par Québécois, laissant croire qu'ils préfèrent s'attirer les bonnes grâces de l'Empire que de favoriser la diversité des points de vue. Votre partisanerie, bien qu'elle ne surprenne pas, nous désole. Dans un manifeste ironique intitulé « L'art d'avoir toujours raison », le philosophe allemand Arthur Schopenhauer expose différents stratagèmes permettant de remporter une joute argumentative, et ce par tous les moyens, même les plus fallacieux. Dans un duel Twitter avec Jean-François Lisée, Gappa a observé que François Legault utilisait précisément le stratagème numéro 14 décrit comme suit par Schopenhauer. C'est exactement le piège dans lequel François Legault tente de faire tomber Jean-François Lisée sur Twitter. Voyez comment Legault essaie de faire dire à Lisée que le Québec est moins riche que les autres États d'Amérique du Nord en identifiant la richesse au PIB. Mais voyant qu'il ne mord pas à l'hameçon, Legault en tire la conclusion que Lisée ne reconnaît pas le problème et qu'il n'amènera donc pas de solution. Legault se conforte ainsi dans sa victoire imaginaire. Gappa vous souhaite, Monsieur Legault, une victoire tout aussi imaginaire pour vos élections. Gappa est navré de constater que Jean Charest continue d'utiliser à toutes les sauces le faux dilemme, stratégie dénoncée dans sa dernière vidéo. Le choix que nous vous proposons, nous au Parti libéral du Québec, c'est justement de faire le choix de cette démocratie et de l'emploi et de l'économie. C'est notre marque de commerce. Pauline Marois, le Parti québécois, vous propose autre chose. Il vous propose quoi? Ben, la rue. Nos craintes étaient donc bel et bien fondées. Le Parti libéral cherche à bâtir sa campagne sur ce sophisme infantile. Cette semaine, nous avons même assisté à une radicalisation de ce faux dilemme. La rue a fait beaucoup de bruit. C'est maintenant au tour des Québécois de parler. Cette pseudo-analyse sociopolitique laisse sous-entendre que le Québec se découperait en deux. D'abord, la majorité des Québécois, sinon les Québécois tout court. Gentils, silencieux. Et la rue, sorte d'entité mythologique méchante et bruyante. L'expression « la majorité silencieuse » revient d'ailleurs fréquemment dans le discours du chef libéral. Mais nous voulons que tous les Québécois s'expriment, incluant les Québécois de la majorité silencieuse. Cette expression n'est pas simplement malheureuse, mais dangereuse et à plus d'un titre. En réalité, il s'agit encore là d'une tactique rhétorique visant à minoriser les mouvements d'opposition et de contestation au sein d'une société en intervenant insidieusement sur la représentation qu'elle se fait d'elle-même. Notre sensibilité à l'expression majoritaire n'a pas à être établie. La célèbre expérience de Solomon H. en 1951 l'illustre bien. Le protocole était plutôt ingénieux.
présenté comme un test au sujet de la vision, l'expérience consistait à demander à un groupe de 5 à 7 étudiants de résoudre une tâche ridiculement simple, repérer une droite d'une longueur déterminée parmi 3 autres droites. Les sujets étaient tous de mèche avec l'expérimentateur, à l'exception d'un seul. Les autres devaient répondre de manière erronée à certaines questions critiques, de manière à vérifier si oui ou non le véritable sujet de l'expérience allait se conformer à la majorité. Les résultats firent sensation, avec raison. 32% du temps, les participants se rallièrent à la majorité. 67% des participants se conformèrent au moins à une reprise. Mis en relation avec des expériences en psychologie sociale plus récentes, ces résultats sont carrément explosifs. Ils démontrent à quel point la perception que nous pouvons avoir de la distribution d'une opinion dans un groupe pèse sur nos décisions et nos comportements. Cette perception est donc d'intérêt stratégique. L'appel à la majorité silencieuse est plus qu'un simple sophisme. En réalité, en invoquant celle-ci, quelqu'un pourrait chercher à détourner nos tendances naturelles au conformisme à son avantage. Richard Nixon semblait l'avoir compris. So tonight, to you, the great silent majority. Ronald Reagan, Rudy Giuliani et Michael Bloomberg, plus récemment, ont eux aussi repris la formule. Le démagogue professionnel et néo-sophiste américain, Frank Luntz, en fait aussi la promotion. Et maintenant Jean Charest. Monsieur Charest, continuez de vous ridiculiser ainsi. GAPA vous retire désormais le statut d'interlocuteur rationnel et enjoint toute personne à faire de même. Sans rétractation de votre part, que la désapprobation et le silence vous suivent. Partout où vous allez, et quoi que vous fassiez. GAPA. La vérité n'est jamais donnée, elle s'arrache. Surveiller. Diffuser. Combattre.